Чики-брики, пальчик выки. Bonjour à vous les Breaky Boys, enfin re-bonjour à vous pour ceux qui ont vu la vidéo de ce matin et bienvenue à vous dans les Tarkov News, c'est votre bulletin d'actualité de la région de Norvinsk. Nous venons d'avoir le patch note pour cette wipe, pour ce wipe 13.5, hein, je vais vous en faire du coup le résumé et la traduction avec le maximum de visuels que je vais pouvoir mettre. Premièrement, l'agrandissement des rues de Tarkov. Je vous remets rapidement quelques-uns des visuels qu'on a pu nous partager sur cette dernière. Et si vous n'avez pas vu, bien sûr, pensez à aller voir ma vidéo de ce matin où est montré le teaser de cette extension. La carte devrait être agrandie de 50 à 100% de sa taille actuelle. Donc voilà, ça va être juste gigantesque en espérant, comme j'ai dit dans la vidéo de ce matin, que les performances soient à l'œuvre. On a l'ajout bien sûr du nouveau boss Kaban. Il avait autrefois une petite entreprise légale à Tarkov mais n'avait pas peur d'utiliser des méthodes un peu moins légales pour se faire un peu de blé. Après l'évacuation générale, il est resté dans la ville et sa bande s'est agrandie. Sa grande taille lui permet de tirer diverses mitrailleuses lourdes sans avoir besoin de reposer l'arme. Un vrai colosse, mais en même temps, Kaban ne peut pas trop être mobile et donc reste en position ou se déplace lentement d'un point A à un point B pendant le combat. Il a cela dit un grand nombre de gardes bien armés, un peu comme Gluard je pense, hein, dont certains sont d'anciens militaires hein, qui ont organisé une défense solide pour lui. Ce boss est donc un gros boss défensif, j'ai envie de dire le premier de son genre, comme ça il est vraiment très très sur la défense. Ça sera donc un plot en combat mais avec une puissance de feu inégalée. Le boss habite la zone de l'atelier de réparation automobile dans les rues de Tarkov. La zone est fortement défendue, les entrées sont fortifiées, avec des mitrailleuses notamment, et des lance-grenades fixes. Les chemins seront apparemment minés, je l'avais dit, je l'avais annoncé, hein, les chemins seront minés autour de ce Lexos. Et il y aura donc aussi, sur le toit du Lexos, des tireurs d'élite sniper qui seront peut-être du coup considérés comme des gardes ou des boss, du moins ces tireurs d'élite sniper. Kaban, il utilise un gilet tactique personnalisé pour ranger en fait les boîtes de chargeurs de sa PKM. Hein. Et puis il porte un gilet pare-balles sous ses vêtements, donc voilà, il a une autorité aussi incontestable parmi ses gardes. Les scavs à proximité d'ailleurs vont faire comme avec Tagila, ils vont aller protéger le boss et engageront le combat pour Kaban. Donc voilà, il y a l'ajout en fait la possibilité d'enregistrer un pré-réglage d'équipement et de l'équiper rapidement. Le joueur peut nommer le pré-réglage, sélectionner celui qu'il souhaite équiper, voir son contenu, son poids et le comparer avec d'autres ensembles d'équipements. L'écran du choix d'équipement sélectionné est divisé en deux onglets. L'onglet équipement, qui affichera bah, tous les équipements qui sont disponibles, en fait les emplacements d'équipement disponibles, et l'onglet poche. On va avoir la traduction, mais normalement ça devrait être poche peut-être, ou personnage, je sais pas, qui affiche donc le contenu des gilets, des poches, du sac à dos et du conteneur sécurisé. L'ensemble d'équipements sélectionnés est assemblé à partir d'éléments correspondants dans la réserve du joueur. Si le joueur n'a pas assez d'objets dans la réserve pour assembler le kit, eh bien c'est simple, les objets manquants peuvent être achetés auprès des marchands ou même du marché aux puces, le flea market, voilà, en attendant que ça se fasse. J'espère que ce sera peut-être comme les configurations d'armes, vous savez, les configurations d'armes, en un seul clic, vous pouvez tout acheter, donc ça j'espère que ce sera pareil pour ces kits. Après la création du personnage, directement après, vous avez 15 configurations d'équipement de base qui sont à votre disposition. De quoi bien personnaliser vos équipements pour vos raids. On imagine que par la suite, ce nombre de 15 sera améliorable, car le joueur pourra créer jusqu'à 50 ensembles d'équipements personnalisés. C'est assez énorme. Même moi qui ne suis pas un joueur méta qui joue des trucs très différents, 50 ensembles d'équipements personnalisés, c'est plutôt pas mal. On verra, ça va être cool de pouvoir faire ça avec la progression et ça permettra un peu de pouvoir faire des stuffs un peu répétitifs sans trop se casser la tête. On en a parlé aussi dans la dernière vidéo, mais voilà, il y a l'apparition aléatoire des conteneurs. L'apparition aléatoire des conteneurs, en gros, les conteneurs de loot apparaîtront désormais à des endroits aléatoires. Le nombre de points d'apparition pour les conteneurs a été augmenté sur tous les emplacements, ce qui veut dire que de manière générale, il y aura autant de loot sur les cartes, mais que les emplacements de ces derniers seront aléatoires. Un raid, une boîte sera présente, le raid d'après, elle pourra avoir disparu. Cela dit, les grandes caisses en bois, les caisses Terra Group, les caisses enregistreuses et les casiers apparaîtront toujours à leur emplacement respectif. Ceux-là ne bougeront pas par rapport à actuel. Le changement donc concerne plutôt apparemment les caisses de loot vertes, que ce soit celles en bois ou les caisses de loot vertes un peu plus plastifiées. Passons maintenant à l'échange rapide de l'arme de poing. Lorsque le raccourci clavier de l'arme dans l'étui, l'arme de poing est enfoncé deux fois, donc appuyer deux fois sur la touche 1 par défaut, le personnage changera d'arme plus rapidement. Cette action consomme donc de l'endurance des bras, et si elle est insuffisante cette endurance, l'arme équipée dans les mains tremblera directement, donc en gros ça permet de sortir rapidement son arme de poing,
quand votre arme s'enraye, que vous êtes en fond de chargeur ou un truc comme ça, c'est toujours bien de pouvoir sortir très rapidement cette arme. Il faut appuyer deux fois ou spammer la touche tout simplement de l'arme de poing et elle sortira plus vite. Vous avez compris, si vous n'avez pas assez de stamina de bras, vous allez avoir une arme qui trempe dans vos mains. Lors de l'entraînement, la maîtrise des armes correspondant à la compétence aussi du type d'arme que vous allez utiliser, la quantité d'endurance des bras consommés lors d'un changement rapide diminuera et la vitesse d'action augmentera. Passons maintenant à l'augmentation du comportement des bots, parce qu'il est assez grand, vous allez voir que c'était un gros wipe pour les bots, franchement, j'ai hâte de les tester. Premièrement, l'ajout d'itinéraires pour le pillage des conteneurs par les scavs sur les rues de Tarkov notamment. En gros, les scavs vont aller se balader pour aller looter des boîtes. Enfin, généralement, ils se mettent devant, on verra là s'ils vont vraiment les ouvrir. Mais en tout cas, c'est vraiment cool de voir ça arriver sur les rues de Tarkov où ça manquait par rapport aux autres cartes. Ensuite, le canon des bots, il oscillera légèrement de haut en bas lors d'une marche paisible. Il sera pas vraiment droit et fixe, un peu comme on peut le voir maintenant. Ça permettra de voir un peu un personnage un peu plus posé. Les itinéraires paisibles des bots présentent désormais de légers écarts par rapport à une ligne droite entre des points, imitant un peu le mouvement d'un joueur. Et pendant le combat, bien sûr, ou en cas de danger, les bots reviennent en mode ready. Ils sont en mode prêt, en fait. En gros, un IA un peu plus réaliste dans ses actions. Nous avons aussi une réduction de la vitesse du rechargement des bots à faible difficulté. En gros, vous avez 3 niveaux de bots, et ça augmente leur difficulté, ça augmente notamment aussi leur point de vie. Les bots faibles seront plus lents à recharger, voilà, c'est cool. Les bots aussi ne peuvent plus se tourner instantanément. Maintenant aussi, il faudra donc, pour qu'ils se tournent d'un certain angle significatif en étant couchés, il faudra qu'ils se relèvent, ou du moins qu'ils passent en position assise, en continuant de tirer, en position assise. Je viens de lire ça. Est-ce que c'est peut-être comme AR6, on peut s'asseoir et tirer quand même? Ça va être intéressant de voir les bots peut-être faire ça. Les bots recherchent maintenant aussi des cadavres et prennent leurs armes, leurs gilets, leurs sacs à dos, tout ce qu'ils aiment en fait, vraiment des vrais looters, des vrais scavengers. Ça c'est cool. Et si un bot a un sac à dos et un gilet, il déposera le sac à dos et le gilet à côté du cadavre pour looter le stuff que vous avez sur le cadavre en fait, qui est beaucoup mieux. C'est incroyable. Vous allez voir après, il y a 2-3 dingueries qui sont à la suite. Tout le contenu qui est pris, première dinguerie, tout le contenu qui est pris simplement par les bots ne sera pas remboursable par les assurances, ça sera pas ramené par les assurances, et ça c'est un game changer, ça change carrément le jeu, car au final, si vous mourrez d'un bot, il va pratiquement tout le temps vous looter directement, vous looter en entier. Je sais pas s'ils vont utiliser les armes, c'est quelque chose que j'avais demandé dans mon retour que j'avais fait un peu au créateur de contenu. Plutôt que j'avais fait du coup ABSG en tant que créateur de contenu, qui puisse utiliser les armes qu'ils lootaient. Maintenant ils vont tout looter apparemment, les rigs, les pare-balles, tout ça, donc voilà, si le scav trouve un corps, un cadavre et tout, il pourra être équipé comme un joueur, et dans certaines situations ça peut être assez problématique. Donc voilà, si vous mourrez d'un bot, il va pouvoir vous looter, et vous ne reverrez tout simplement plus votre équipement si ça reste sur le bot, même votre équipement assuré. Donc j'imagine que c'est le bot en vie, que ça ne compte plus ce qui est en vie du coup, je pense que s'il se fait traiter derrière ça devrait être bon. Ou s'il meurt de saignement, ou je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, pensez d'ailleurs à rejoindre le Discord, comme ça vous aurez un coéquipier pour vous cacher votre stuff un peu plus loin. Le lien du Discord est bien sûr en description. Toujours sur les bots, gros wipe pour les bots comme j'ai dit, les bots peuvent partager un objet avec un joueur bot, un scav joueur quoi, en lui faisant le signe de la main, vous savez, pour qu'il ramène vers vous, un peu comme avec le Père Noël pour ceux qui ont connu. Vous pouvez échanger du stuff, c'est incroyable. On a ensuite une amélioration de la visibilité des bots au crépuscule. Maintenant, cela correspond plus à la logique en termes de luminosité. Les lampes de poche, bien sûr, donnent évidemment une meilleure visibilité pour les scavs à cette heure-là de la journée pour le crépuscule. Le crépuscule était un peu un horaire de la journée où les IA savaient pas trop quoi faire. Ils oscillaient entre le jour et la nuit, mais ils étaient plus quand même du côté de la nuit. Maintenant, ils verront un peu mieux. Et pour finir sur les bots, on va parler scav joueur avec ici le temps d'apparition sur les cartes qui a été corrigé sur toutes les cartes en espérant qu'ils n'arrivent pas trop vite ces scav joueurs sur Street pour un peu ruiner l'expérience des PMC, c'est un peu dommage je trouve quand ils arrivent trop tôt. Toujours et encore sur les bots, on a tellement de trucs sur les bots ici, sur les groupes de bots, les gangs de bots, voilà le système de groupe de scav IA a été amélioré, désormais, il y a une certaine chance qu'un groupe de scav qui fonctionne en équipe apparaisse. En gros, voilà, ils vont être mieux organisés au combat, ils seront essentiellement des petits gangs, voilà, on peut le voir comme un petit groupe de gardes de boss, sans la puissance de feu, ce sera un vrai danger, surtout en début de wipe. Toujours et encore pour les bots, on a des nouvelles commandes pour les bots, des nouvelles commandes assez intéressantes en tant que scav joueur que vous pouvez faire sur les bots. Ce sera disponible donc pour les joueurs, la probabilité qu'un bot exécute cette commande dépend bien sûr de votre réputation chez Fence.
le Scav Karma, donc soyez des bons scavs, toutes les commandes ont un temps de recharge. Première commande, aide. Lorsque cette commande est utilisée, tous les bots dans un rayon significatif iront vers le joueur et engageront bien sûr un combat si ennemi il y a. Étalé, donc en gros spread, hein, les bots qui se trouveront dans un certain rayon se mettront à couvert et se répandront dans la certaine zone pour mieux couvrir les différentes arrivées. Mettez-vous à l'abri ou take cover, ce sera du coup en fait le bot qui va, à côté du joueur, qui va prendre le couvert le plus proche, calme. Ce sera pour que les bots dans un certain rayon cessent de parler en fait et commencent à écouter. Donc en gros qu'ils soient plus à l'écoute, qu'ils arrêtent de faire du bruit. Ça peut être pas mal pour tendre des embuscades aux PMC qui arrivent. J'aime bien ce changement de gameplay du scav. Ça évitera d'être juste des scavs de loot, ça va être des scavs un peu plus de combat. Et la dernière commande, ce sera la commande arrêt. Avec une certaine chance bien sûr, le bot à côté du joueur s'arrêtera pendant une courte période, regardera le joueur puis continuera de se déplacer. Désormais, la commande suivez, lorsque vous êtes en scav joueur, en fait, peut être donnée non seulement avec un geste, mais aussi avec la phrase du coup, suivez-moi. Dans les changements de qualité de vie, les Quality of Life Improvement, l'interface utilisateur des écrans des marchands a été retravaillée, on l'a déjà vu, avec notamment les quêtes, les services qui ont été repensés. Le joueur peut désormais équiper ou remplacer rapidement un objet par n'importe quel autre des autres objets disponibles dans la réserve via le menu déroulant en cliquant sur l'emplacement du personnage. Ça c'est cool, le compteur de FPS aussi ne chevauche plus le minuteur de raid. Voilà, quand vous affichez avec la console FPS 1 ou FPS 2, ça n'a plus chevauché du moins votre minuteur de raid, donc ça c'est cool. Le double clic aussi sur les consommables permet l'utilisation automatique de ces objets. En termes de fonctionnalité, donc le double clic est similaire à l'option utiliser, donc du clic droit utilisé sur chacun des objets dans le menu contextuel de l'objet. Ça marche aussi donc pour les soins et la nourriture par exemple, ça va être cool. Vous pouvez ensuite allumer les lumières montées sur votre casque en appuyant sur la touche H et vous pouvez bien sûr changer les modes de ces appareils tactiques en appuyant sur la combinaison de touches CTRL H. On peut mettre aussi plus de lampes, hein. Du coup sur les rails ça a été élargi, notamment pour mettre tout ce qu'on peut mettre sur un pistolet, normalement on peut le mettre sur les rails qui se trouvent sur les casques. Ensuite, lorsque vous maintenez les touches de raccourci 4 à 0, lors de l'utilisation notamment d'une trousse de premiers soins et autres fournitures médicales, une liste déroulante des parties du corps à soigner est désormais visible. Lors de l'utilisation de la trousse de secours, la liste s'affiche bien sûr toutes les blessures du personnage, et lorsque vous utilisez d'autres articles médicaux, par exemple une attelle, seule la partie du corps avec une fracture, celle qui peut être soignée avec l'article, sont affichées, donc ça c'est cool. Pour l'activer, vous devez définir le mode de raccourci sur relâchement dans vos raccourcis. Vous avez aussi l'ajout de nouvelles images d'écran de chargement, ça c'est cool. Je crois qu'actuellement on a quoi? On a Factory Labs et Bois, je crois. On verra ce qu'on va avoir sûrement Street of Tarkov, ce serait cool d'avoir ça en arrière-plan, c'est toujours cool. Nous avons maintenant l'ajout du râtelier d'armes qui arrive, j'en ai même fait une vidéo hier soir, pensez à aller la regarder pour avoir plus d'infos et puis pour vous donner bien sûr des inspirations. Ce nouveau module, le Weapon Stand, hein, le Weapon Rack, le râtelier d'armes en fait, a été ajouté à la planque. Le stand a 3 niveaux d'amélioration, chaque niveau peut contenir un certain nombre d'armes. Le niveau 1, 108 cellules, le niveau 2, 132 cellules, le niveau 3, 182 cellules. Seules les armes fonctionnelles peuvent être placées sur les étagères, du support d'armes, pas d'armes qui sont rouges, que des armes qui marchent. Ces armes seront donc retirées de votre inventaire et vous permettront de gagner de la place de manière générale dans votre inventaire. La vente rapide du matériel de scav a été ajoutée aussi avec ce bouton vendre de l'équipement qui a été ajouté à la fin, vous savez, de l'écran un peu de fin des scavs, hein, l'écran de transfert. Donc voilà, en fait, ça permet de tout vendre directement, même la monnaie apparemment, chez Fens. La vente est que chez Fens, donc à voir si en termes de rentabilité, ce sera beaucoup utilisé ou pas. Nous avons ensuite une amélioration de l'affichage du processus de fabrication dans la planque, l'ajout d'une animation et d'une indication de couleur, vous savez, à l'icône du module où la fabrication est en cours. Quand la fabrication est terminée, ça l'affiche et ça vous le met en premier dans la liste des modules. Vous pouvez directement cliquer sur le compteur de fabrication complet pour accéder au module qui contient un objet prêt à être ramassé. Ça permet de gagner du temps, ça gagne des clics. Moi, je suis très content de ces mises à jour parce que franchement, on va passer plus de temps en raid et moins de temps à se casser la tête, à tout régler, à fabriquer des stuffs et à fabriquer des choses dans la planque. Au niveau graphisme et performance, l'effet de l'antidouleur a été modifié pour enlever normalement cet effet un peu dégueulasse, vous savez, de l'effet d'antidouleur, j'ai envie de l'appeler, mais il va plus être comme ça du moins, où en gros, ça fait tous les bords sont un peu crisp, tu vois, sont un peu piquants, tu vois.
Donc il y a beaucoup de contours, on va appeler ça comme ça. Il y a beaucoup de contours sur tous les trucs, et notamment, pour vous, c'est dégueulasse, mais quand vous regardez un stream, c'est encore pire parce que ça pixelise le stream énormément. Déjà que Tarkov a beaucoup de choses qui bougent, notamment la verdure, et rajouter un peu ces bordures, bah ça a ruiné un peu les streams, donc ça va être vraiment bien pour nous. Ensuite, une nouvelle technologie de brouillard, de rendu de brouillard a été mise en œuvre sur les rues de Tarkov, et de performance aussi sur phare. Donc en gros, sur phare et sur les rues de Tarkov, ça devrait un peu mieux tourner. Alors à voir bien sûr avec l'augmentation de la taille des rues de Tarkov, mais c'est vraiment cool de pouvoir faire tourner ces cartes un peu plus facilement. Il y a plein d'optimisations aussi, notamment d'optimisation de la consommation de ressources, de l'audio, du pack audio de manière générale, donc ça c'est cool. Ont été ajoutés sur ce wipe des nouveaux équipements, on en a parlé ce matin durant le trailer parce qu'on a vu pas mal. Vous avez le SVT-40 et l'ATV-40 en version automatique. Vous avez l'AK-12 qui a été ajouté, ça c'est cool. Les mitrailleuses légères PKM et PKP, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la différence entre ces deux parce que je ne le sais pas. Le canon scié du père de Rizzi, ça c'est cool. Et les pistolets PM et PB ont été mis à jour, voilà. Voilà, parce qu'ils étaient un peu vieux, ils étaient visuellement très vieux. Donc là, ils sont vraiment très jolis, ils sont un peu au goût du jour, c'est plutôt pas mal. Au niveau des munitions, nous avons une nouvelle 300 Blackout, la CBJ, à voir comment toutes ces cartouches, on ne sait pas vraiment comment elles vont être en termes de performance. Il y en a certaines, on peut deviner, mais voilà, dans tous les cas, dites-vous que ça va être des nouvelles cartouches qu'on va devoir tester. Vous avez pour les cartouches de calibre 12, la Piranha, vous avez la JSPSX, excusez-moi, pour les MP7 qui arrivent, la FMJ en 762x39, ainsi que la SP et la PP. Donc la PP, logiquement, devrait se trouver entre la PS et la BP. Donc la PP en 762x39 va être plutôt pas mal, logiquement. FMJ, généralement, c'est pas trop de pénétration, comme la SP, pas trop de pénétration et pas mal de dégâts. Donc ce sera pas des trucs méta, je pense, la SP et la FMJ, mais la PP... Logiquement, elle devrait se trouver entre la PS et la BP, donc ça va être vraiment cool. Maintenant, on a trois nouvelles cartouches aussi pour notamment la PKM. Et puis aussi, comment il s'appelle, le SVT-40 et le AVT-40. Donc c'est du 762x54R. On a la FMJ, la HP et la SP qui, logiquement, sont toutes moins bien que la LPS. GZH, on verra, ça fait quand même beaucoup du coup de cartouches pour ce calibre, mais je pense qu'il fallait un peu des calibres un peu moins bons. C'est la logique parce qu'actuellement tous les calibres de toutes les cartouches de ce calibre là en fait peuvent tout aptorax n'importe quelle classe 4, et les 3 quarts peuvent tout aptorax n'importe quelle classe 5 aussi. Donc en gros, avoir des cartouches un peu moins fortes, vu que ce calibre a été beaucoup mis en avant dans cette mise à jour avec le SVT-40, la VT-40, vous avez aussi la PKM et la PKP, excusez-moi, qui tournent sous 54R. Si je dis pas de conneries, peut-être qu'il y en a une en 762x39 aussi, du coup, parce que je sais pas ce qu'elle fait la PKP en fait. Et voilà, bref, ce calibre va être beaucoup plus commun, du moins. Donc avoir ces petites cartouches-là un peu plus nulles serait logique. Et puis pour la dernière cartouche, nous allons avoir de nouvelles 9-19. Il y en avait pas mal, à voir si la FMJ M882 sera bien. J'ai vu que ça avait pas l'air terrible en termes de pénétration en tapant le nom, donc on verra bien ce que ça va donner dans Tarkov. Et on a un ajout bien sûr de nouvelles modifications d'armes, de modèles d'équipement, dont ceux qu'on a eu dans la vidéo de ce matin. D'ailleurs, en parlant de vidéo de ce matin, on va avoir une autre vidéo à la fin de cette mise à jour. Je vous mettrai une vidéo sur les armes à utiliser, les équipements à utiliser quand vous avez les marchands de niveau 1. Alors bien sûr, c'est sans les nouveautés parce que j'ai pas encore accès aux nouveautés, quoi. Mais de manière générale, je vais parler un peu de ce que je joue moi et de ce qui est bien à jouer pas trop cher et qui marche très bien pour le début de wipe. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Et allez, on continue maintenant avec les changements d'équilibre. C'est une grosse vidéo, mais je vous traduis tout et je vous fais un petit résumé, ne vous inquiétez pas. Vous avez divers changements d'équilibrage des caractéristiques des munitions, des échanges et des marchands, et notamment aussi de la fabrication dans la planque. Ces changements-là, c'est un peu comme à tous les wipes, hein. On va changer un peu les munitions, les équilibrer, surtout que là on en introduit des nouvelles, donc il va falloir équilibrer un peu tout ça. Voilà, c'est comme à tous les débuts de wipe, on les mettra tous ces changements sur le Discord dans le salon News quand on aura un petit peu tout trouvé. N'hésitez pas bien sûr à feuilleter un peu ce Discord. Et à en profiter bien sûr et à jouer avec tout le monde, c'est vraiment cool. Pareil, comme à tous les wipes, modifications apportées aux quêtes. Hein, y a une dizaine de nouvelles quêtes, une dizaine de quêtes qui ont été ajustées. Je vous mets ici la liste, mais on ne sait pas encore comment est-ce qu'elles ont été ajustées en tout cas. Donc pareil, on va le partager tout ça sur le Discord. Pensez à le rejoindre.
Voilà, il y a la quête grenadier notamment, il y a les quêtes capturing outpost, stylish one pour Killa, tout ça. On va voir ce qui a été changé. J'espère que Tarkov va un peu plus respecter notre temps, surtout sur un YPC de 4 mois. On imagine que ce sera un peu dans la facilité, que ça va être mis test drive partie 1, tout ça, avec la M1 thermique. On va voir qu'est-ce qui va être changé. Au niveau de la planque, il y a pas mal de choses qui ont été changées en termes d'exigence pour les constructions des différents modules. Le champ de tir niveau 1 nécessite plus que l'éclairage niveau 1, 20 000 roubles, un écrou, un boulon et puis une pièce métallique, ça c'est cool. Le mur défectueux demande un med block niveau 1, donc est-ce que c'est un nouveau module ou est-ce que c'est juste la med station qu'ils ont mis sous un autre nom, mais en tout cas il faut juste ça et le récupérateur de niveau 1, donc c'est cool, on pourra casser le mur beaucoup plus rapidement. La salle de sport qui est derrière ce mur, il y a des nouvelles conditions sur ce module qui sont l'éclairage niveau 2 et la ventilation niveau 2, ça permet de lisser la progression, on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci. On va passer maintenant au correctif, c'est la dernière ligne droite de cette vidéo, accrochez-vous les gars, je vais vous citer les plus intéressantes, voilà, pour, si vous voulez le détail, le lien du patch note est bien sûr en description. Voilà, donc on a tout d'abord le problème de reconnexion qui a apparemment été corrigé, la correction des sons manquants de l'explosion d'une grenade lancée par un bot, par exemple dans certains cas, donc ça c'est cool comme correctif, et puis la correction d'un certain nombre d'artefacts visuels sur l'emplacement des rues de Tarkov et dans la planque, et finalement, dernier correctif ici que je vous dis, c'est le calcul incorrect de la visibilité d'une cible à travers les buissons pour les bots. Voilà, à travers les buissons, la verdure, les arbres, tout ça. Espérons qu'il soit un peu moins cheaté à travers les buissons sur ce wipe, ce serait un bon changement. Ah, voilà, je pense qu'on arrive à la fin. Le dernier point ici, c'est la mise à niveau de la réserve. Vous savez qu'elle a été obtenue avec la lignée de quête The Terra Group Trail. Et ceux qui ont réussi aussi le prix de la saison du classement, bien sûr, hein, elle aura lieu en août. Apparemment, pas directement. On n'aura pas les deux lignes directement, ça a lieu en août. Donc, bon, on verra dans les 20 jours qui viennent quand ça arrivera. Je vous fais une dernière pub pour le Discord, hein, parce que je n'ai pas récupéré donc le Discord, vous avez compris, le Discord qui a été hack, j'ai toujours pas récupéré. Donc je propose un nouveau Discord qui est une copie améliorée de l'autre. Voilà, ça va être le feu ce Discord, ça va être le Discord actif à avoir pour ce début de wipe, n'hésitez pas à y aller, on y promouvoit la maturité et l'entraide. Si c'est ce que vous recherchez, n'hésitez pas à venir nous voir. Avec un like et un abonnement, ce serait très apprécié, merci. Vous pouvez suivre au mieux l'actualité du jeu. Merci aussi aux tipeurs, merci énormément à ceux qui sont sur Tipeee, le lien est aussi en description, parce que vous faites vivre cette chaîne, comme c'est pas possible en fait, sans vous, ce serait impossible, donc merci beaucoup. Et en plus, vous pouvez donner, et ça s'affiche sur le stream, ça c'est cool. Et Twitch ne prend pas de pourcentage, donc ça c'est bien. Vous avez compris, il y a des liens dans la description, ça me fait extrêmement plaisir en tout cas. Et vous avez le Twitch, on va essayer de streamer, je n'ai pas dormi depuis hier, donc on verra si je vais pas dormir et streamer après. Mais en tout cas, voilà, vous avez en lien aussi le râtelier d'armes, vous avez le patch note complet en lien, et puis les sources. Je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous de passer un excellent wipe. Il y a des vidéos qui vont arriver, plein de vidéos, donc pensez à vous abonner, à faire la pub un peu à vos potes aussi. Ne vous prenez pas la tête sur ce wipe, même si vous prenez des têtes. Allez, à plus, ciao ciao. T'as 25 minutes en parlant là, fatigant.